La ville de Jérusalem en Israël, qui est la capitale d'Israël, elle a eu beaucoup de bas. Et lors de l'un d'eux, elle a pratiquement, à cause de ce qu'elle avait fait, a pratiquement été détruite. Les Romains en ont fini avec tout cela. Les Juifs ont passé presque 2000 ans errant dans le monde sans patrie. Et voyez ce que Dieu dit pour qui est endormi, pendant que le diable est en train de détruire cette personne avec la tentation, avec la rancœur, avec de la haine, avec la nature charnelle. Ésaïe 51:17 dit ceci, « Éveille-toi, éveille-toi, lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu de la main du Seigneur la coupe de sa fureur, toi qui as bu, qui as vidé jusqu'au fond la coupe d'étourdissement, sortez de ce calice. Dieu veut que vous buviez du sang de Jésus et mangiez de la chair de Jésus, qui est symbolique, que vous soyez une personne bénie. » Voyez cette personne qui était guérie, donner son témoignage. J'ai souffert un accident de travail. Il y a combien de temps? Et ma main a été écrasée, 9 mois. 9 mois. J'ai fait de la physiothérapie tous les jours depuis 9 mois. Et jusqu'où vous pouviez le lever? Et la douleur est montée jusqu'ici il y a une semaine. Il y a une semaine? Mais vous ne le leviez pas? Non, je ne le levais pas. Eh bien, levez les deux à présent. Et cela, mes amis, c'est Jésus, le Seigneur est bon. Oh, gloire à Dieu. Oui, ma sœur, combien il est bon. On va prier. Père, je prie maintenant pour ces personnes. J'étends ma main. Je termine que le mal sorte, s'en aille, disparaisse. Tu ne peux pas rester dans cette vie en aucune façon. Sors au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Bonne journée.